Et salut à tous, salut tout le monde, comment ça va? On est parti aujourd'hui pour un recommandary de game du beau jeu. C'était du niveau GM et la game, bah, vous allez voir comment elle va se passer. Qu'est-ce qu'on va rire? J'ai tag tout seul en solo queue, je suis tombé avec Valbibox. Salut à toi, bro, qui va faire du bon taf aussi. Vous allez voir comment ça va se passer. Je vais pas vous teaser, je vais pas vous spoiler. On est parti de suite sur les compos. Liming, Nasibo, Malftral, Johanna contre Brightwing, Sylve, Murat, Balafré. Voilà, c'est juste avant le patch où Muradin perd son. Où Muradin s'est fait perdre les dégâts de son. Perd le point de vie de son avatar, mais augmente son pool de points de vie. Et où Oléash ne fait plus redescendre le cooldown du E. C'est parti! Donc voilà, j'étais la speak. Et je me suis dit, quand il y a ça en face, surtout quand il y a un Malf. En healer, je me suis dit, allez, on va se faire plaisir. On va partir sur. Oula, non, faut que ça revienne ça. On va se faire plaisir, on va partir sur notre bon vieux Stitches à nous qu'on aime. On va juste augmenter ça. Voilà. Allez. On va la shootcaster comme si. Comme si on shootcastait une game de tournoi. On accélère. Aux armes. Aux armes. Donc ça va être un match-up Thrall-Vala au top. Avantage pour Thrall bien évidemment. Vala, c'est une croquette, elle a vraiment pas beaucoup de points de vie. Ça joue safe des deux côtés, c'est cool. Johanna qui zone plutôt bien. Et ici on voudrait faire un petit trap. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de contrôle entre le hook qui peut amener le mec à soi. Attention, oulala, attention au top. Non, ça va, ça va. Ok, c'est bon. Il y a beaucoup de contrôle avec. Non, le son du jeu, excusez-moi, est beaucoup trop fort. C'est juste que quand je record, ça me change tous mes paramètres. Voilà, il y a beaucoup de contrôle avec qui peut follow up. Ouh, le hook de Stitches sur Malf, get wrecked, bim. Est-ce qu'il va tomber? Il va tomber, nice. J'ai tout ça très bien follow de la part du Muradin et du polymorphe de la Brightwing. Attention, Stitches, ils vont dedans, dégâts. Attention, Stitches, de Johanna qui va pas finir. Johanna qui met le Q-spell. Le de Stitches vont tomber tout ça. Maintenant, c'est Brightwing qui est dans le mal. Nasibo qui va taper Brightwing. Les araignées qui touchent plus. Et oui, mon vieux, maintenant il faut jouer. Nasibo, c'est chaud. Bon, voilà, tandis que là, le Lavala se fait rect. Oh là là, oh là là, oh là là. Et elle se fait pas tant rect que ça. Oh, dommage. Attention, le bon rôle de Nasibo qui cache la Brightwing. Ça fait du 1 pour 1, mais avantage du coup l'équipe des bleus parce que bah, du coup il y a une perte d'XP ici. Est-ce que l'équipe des rouges va décaler? Voilà, Muradin y va. Donc ça joue bien, c'est du grand master. Mon accompagnant est malade et il rigole. Bah, du coup, Malf monte, Mura monte, excusez-moi. Allez hop, attention au poke de Liming, il va mourir. Oh, attention, est-ce qu'il faut que je fasse Heimlich? Est-ce qu'il faut que je fasse Heimlich? Dans 3 secondes je me lève. Non, c'est bon. Surtout qu'Heimlich c'est quand t'as avalé un truc. Ok, la Vala qui se fait catch, ok c'est bon, elle a pu faire son E juste avant que le wall surgisse. D'accord, c'est juste pour la sauce, pour du free pack, bruit, attention tout ça. Johanna aussi qui prend grave la sauce, Johanna qui fait la faux folle sur ça. Johanna qui tombe, elle a cru que c'était Muradin sous Avatar. Et du coup ça poursuit, le focus page qui va tomber, Malf qui tombe pas, Luke sur Nasibo, Luke qui tombe, yes. Et ou le bon wall de Nasibo, mais ça suffira pas. Et bien ça joue plutôt bien pour le moment. 3 kills à 1. Allez, ça va le race, ça va le race. L'équipe des rouges qui commence déjà à le taper. Tac, attention au globe, voilà, Stitches qui anticipe la boulette de Liming, qui tank tout. Ça c'est un bon Stitches, ça c'est un bon petit chien, ça. Ça c'est un bon petit psychopathe qui tank tous les dégâts. Par contre, faites pas ça si vous avez pas l'atténuation de la magie en vrai. Bah voilà, j'ai pris l'atténuation de la magie. C'est bien, je me connais, c'est au moins une bonne chose philosophiquement parlant. Du coup, attention à la Vala qui reste un peu sur place, il fait tout, c'est parti, le hook de Thrall, c'est parti. Le stun instant de Muradin, le polymorphe de Brightwing pour follow, ça va tomber, une magnifique rotation de CC de la part de Brightwing et de Muradin. J'aime beaucoup Brightwing Muradin qui. Slowly. J'aime beaucoup Muradin Brightwing qui en fait. Time leur CC, c'est très très bien. Et on hook la Vala, Pokémon, GG tout ça. Muradin, la voix de la raison. Guys, slowly, no need to hurry. They are defending. Go, 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 right now. Allez, c'est parti. Bon, là, par contre, il commence à le taper. Ok, c'est bon, on est là. Si on va se prendre en fight sur les mots, c'est évident. Luke sur la qui passe. Le son de Muradin. Le polymorph de la Brightwing aussi. Attention, il n'y a pas les dégâts, il n'y a pas les dégâts. Il manque un chouïa de dégâts. Muradin qui est dans le mal, il peut jump pour route. Brightwing. Non, c'est Liming qui s'est
trouve ultra avancé. Liming va mourir, Liming va mourir. Attention, Luuk dans 2 secondes, Luuk dans 2 secondes. Est-ce qu'on va avoir un monster? Ouh, qu'est-ce qu'on va avoir un monster? Ouh, pouh, en plein, il avance, mais il descend, magnifique. Mirakimo, attention, fuck, Fred, tu meurs, c'est bon, ça meurt pas. Tranquillou, tout ça, est-ce que c'est Cheese, c'est normal, est-ce qu'il va mourir? Non, est-ce qu'il y a sans E, il meurt, c'est la fin du monde. Muraki devrait terminer Tral, tranquillou. Et voilà qui, poum, poum, piou, 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 canard de tout ça. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Non, le bon jump de Mura, attention, allez Mura, allez Mura, et ah voilà. Et donc ça peut finir, donc ça finit avec une défense catastrophique des bleus. Ok, ça va, oh, reste frais Carter, hein, parce que t'as trop de couilles là. Hein. Reste frais, un peu de modestie, ça fait pas de mal là. Ah, je m'aime pas quand je suis comme ça. Et mais ça fait du bien un peu de se la péter. Donc voilà, les premières émo qui est concédée de la part de l'équipe des bleus avec déjà un niveau et demi de retard. Bretung qui s'écoule et qui ira voler top. C'est bien, pourquoi pas. Aussi, on aurait pu mettre une Val ou un Mura. Ou un, ouais, un Mura, ça aurait pu être cool. Et par contre, on a cible. Alors, est-ce que le Snowball est là? Ok, la Bretung a TP, donc ça push, ouais. Ok, là, ça veut Snowball là. Là, ça veut go core avec l'émo. Ouh là là, les gros dégâts de Nasibo, les gros dégâts de Nasibo, le serment aussi de Malf qui a totalement gratté Muradine. Attention, parce que l'équipe des rouges prend cher, heureusement il y a une Brightwing, mais il faut temporiser un peu que Brightwing remonte tout ça. Attention, Muradine qui est dans le mal, qui veut jump out. Ouais, le hook sur Tral, bien joué le serment de Malf, dommage qu'il a pu sauver Tral, c'est pas passé, il s'est joué à rien. Malf qui survit. Ok, on continue, voilà, on continue de push sur le bon Z. Attention, le hook dans 7 secondes, là c'est chaud quand même, là c'est chaud parce qu'il y a plus beaucoup de vie, plus beaucoup de mana. Non, oulala, attention, attention, je pense que s'il faut live un jour, c'est maintenant. Ouh, Luuk qui passe pas, dommage. Oula, oulala, Valley Box, bonne Banshee, bien joué ça. Allez, nickel. 5 minutes de jeu, 7 contre 7. Ça colle de faire les easy, ça colle d'aller soc, je pense que je vais aller soc. On va faire une petite pause, attention. Oh là là, qu'est-ce qu'on est des génies d'avoir ça. Donc à 8 de puissance, voilà, pendant que ça, ça soc. À 8 de puissance, suprématie, la chance des profondeurs. Coup des lunes, ok, la portée, ouais, c'est avant le nerf, maintenant il est passé à 25%. Ultra l'éclair, Joanna, le blocage de l'espoir, ok. Paralysie, perle, pimpin, sublimation. Ok, du classique pour le moment, un petit digestif, du classique. Ils ont toujours pas le set. Ok, tu dis que là, voilà, ça soque bien, c'est cool. Attention, si on va avoir un Wonder Hook, non, ça fait les camps. Là, faut que je me replace, ouais, là, faut que je me replace, hein. Pour pas qu'ils viennent. Ah voilà, voilà, nickel. On se replace hein, pour les cuts. Hein. Pas chez toi, Joanna. Là, le Tral, il me donne envie. Oula, Liming. Ouh, la petite Liming. Voilà. Hop. Ah, le son de Mura qui est passé quand même, GG. Mais bon, ça va pas suffire. Mais on gratte. On gratte, c'est pas le healer. On push avec Syl en fait, ouais. Bah, on joue bien. On va jouer avec Sylvain, on va gratter les tours, on va avoir le 10 tellement avant eux. Ils pourront tellement, tellement rien faire en fait. C'est juste n'importe quoi. Oh, le hook qui passe pas, dommage. Muradine fait un très bon taf de zoning devant. Ah ouais, on s'excuse, c'est bien. C'est bien. J'aime pas chier des hooks importants, c'est sûr. Ok, donc ouais, faut attendre le 10. Ouais, les gens ping d'attendre le 10. C'est un bon call de la part de Valbubox. On n'est pas loin du 10 les mecs, une fois qu'on a le 10 on les recte. Attention, les Banshees sont réactivés, très bien joué ça, très très bon tempo de très très bon timing de Banshee. Faut juste faire gaffe parce que voilà, c'est bon, ça joue safe, c'est bon, c'est Muradine qui a le focus mais ça peut jump out tranquillement. Parce que pendant ce temps là, il y a le gros patapouf qui soc top, le 10, bon je connais mieux que pour soc, c'est pour clean les vagues. Ça commence à DPS, que la défense peut se mettre en place, allez il ne manque que dalle d'XP. C'est frustrant là de laisser gratter notre immortel en fait. Pas la folie. La Vala qui commence un peu à gratter, attention, le bon loup de Tral qui est passé, c'est bon. C'est bon, on va avoir le 10, on est là, here we are. Ah oui, le Mura, Oula, le hook sur Malve, le silence sur Liming, il faut tomber Liming, il y a eu plusieurs focus. C'est dommage, on est totalement split qui fait la Vala. On est totalement split, il y a personne qui meurt, il nous manque des dégâts. Le Nasibo va mourir, le Nasibo va mourir, le Nasibo va mourir. Et pendant ce temps-là, le chase du Malve qui va pas mourir, putain. Affreux. Est-ce qu'on va le hook en blind? On le hook en blind. Oh merde. On l'a hook en blind mais on a niqué l'ulti de Vala. Oh merde. Tant pis, dommage, je pense qu'il était joli, je pense que j'avais pas la vision. Ok, bon du coup vite qu'on dise 9 back, on va le faire turn. Ils ont quand même DPS à la moitié. C'est un peu chiant ça, qu'est-ce qu'il fait Tral? On l'a vu le Tral hein, mais bon, on l'a vu. Mais bon, qu'est-ce qu'il dit?
Ouais, bah du coup, on va l'avoir, ouais. C'est un peu dommage quand même, c'est en train de se passer là. De leur laisser, d'avoir un immortel avec aussi peu de boucliers. Bon, ça va, ouais. Pas la fouille. Ah, bah on se fait direct. Oh là, ils font des bacs. Ils ont des couilles pour faire des bacs comme ça. Allez, go bot. Go T2. Oui, mon capi chef. Le hook sur Joanna, c'est pas la folie. Le wall de Nasibo, bien joué ça. Le ulti de Joanna qui tempourrit un petit peu. Le T1 tombe, le jump in de Muradin. On a des balls. Ouh, le silence qui touche pas personne dans Malf, c'est magnifique. Nasibo qui s'installe l'ulti de Vala avec la glissade, c'est très bien joué. C'est bon, coup, c'est bon. Les dégâts sont là. J'avais peur qu'il manque un chouïa de dégâts pour le Malf, mais c'est passé. GG, très bon focus. La T2 qui va prendre cher. Ouais, là, ça semble être compliqué là. Attention, ouais, la T2 qui est déjà mis vie avec ici, l'immortel qui prend aucun dégât. Le bon hook sur la Liming, est-ce qu'elle va mourir? Elle meurt, GG ça. La Joanna qui, je sais pas, qui est parti, ouais, qui est à gauche, le bon bodyblock du Muradin. La Cleans de Malf, mais une Cleans ne sert à rien contre un bodyblock. Et du coup, on est là, on siège, on est tous full life en tout cas, parce que pas full mana grâce à Brightwing. Qu'est-ce qu'on va faire? Le hook sur Malf qui passe, c'est bon, le polymorph instant, les dégâts, bien joué ça, GG. Ah oui, la Vala, elle voulait vraiment tuer Malf. Et ça commence à rush score 97%, 80%, ça va le faire, 79, 65. Attention, il faut focus le corps, full corps, please. Liming qui est là, il faut pas que Liming ait de reset. Liming qui s'est fait imploser. 15%, 13%. Et ben GG, on va juste tac mettre pause à 1%. GG à tous, GG les mecs, quel game. Grand master, gros niveau. 9 contre 13, 10 minutes de game. C'est très 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 propre. On va pas analyser les talents, hein. Bon, voilà, plus de vengeance tout. Voilà, c'est propre, voilà, GG à tous, bah voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de game comme ça, c'est vraiment du grand master. D'une des games GM, tout va bien, on a vraiment bien joué, la team a bien joué, ça a bien flow les hooks. Et puis Muradin, quand j'ai raté des hooks, était bien devant, très très bonne temporisation. Voilà, ça commence déjà à quitter la partie, voilà, les mecs ils vont pas voter, c'est pas fair play de pas voter. Et normalement, je crois que là on peut voir. Moi j'y suis pas, et j'y suis pas, voilà. Bon, voilà, du coup il y a plus les gens qui votent. Bon écoutez, j'espère que ce commentaire vous aura plu. Petite vidéo expéditive, ça fait plaisir, ça change un peu des tutos, des trucs comme ça. Pour ceux qui veulent voir l'analyse du gameplay Stitchy, ça se passe ici. Je vais mettre un lien. Voilà, ça fait plaisir, je pense, de changer un peu de format de vidéo sur la chaîne. Là, c'était drôle. 12 minutes de vidéo, bon voilà, vous avez le temps de vous faire cuire vos pattes et de regarder ça. Pendant ce temps-là, on se dit à bientôt tout le monde, des bisous, ciao!